Bonjour, bonjour à tous mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Alors ça y est, on vient de passer un énorme cap dans cette chaîne YouTube. Le cap des 101 abonnés. Non mais je sais pas vous, mais moi j'ai toujours été fan des 101 dalmatiens. Donc là je me dis, 101 abonnés, mais waouh quoi. Non, blague à part, ça fait plaisir quand même de voir que vous vous abonnez à cette chaîne, que le travail que je réalise pour vous à travers ces vidéos est quand même suivi. N'hésitez pas à le transmettre quand même aux autres copains qui ne se sont pas encore abonnés. L'abonnement n'est pas du tout obligatoire. À partir du moment donné où vous regardez les vidéos et que vous réalisez le travail demandé, moi je m'en fous des abonnements. C'était juste pour la blague. Et je sais que certains d'entre nous, si jamais je gagne de l'argent, il y a des bonbons à distribuer. Mais on est bien d'accord que je ne gagne pas d'argent avec cette chaîne YouTube. Comme vous avez constaté, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de machin. On est bien d'accord. Bien, blague à part. Cette vidéo est à destination des troisièmes. Très exactement des troisièmes 1, des troisièmes 2, des troisièmes 5. Comme vous pouvez le constater, ça c'est pas bon signe. Initialement, mes loulous, normalement, cette semaine ou la semaine prochaine, on devait avoir un contrôle sur le système immunitaire. Du fait du confinement, il n'y a pas de contrôle en classe. Mais, et il y a un mais, vous allez devoir réaliser un sujet de brevet. Alors, j'ai choisi un sujet de brevet, pourquoi? Parce que tant qu'à faire, autant travailler sur quelque chose qui a un but concret. Hein. La partie cour que j'aurais laissée en temps normal, bon, bah, aucun intérêt, vous avez les cahiers. Ce qui m'intéresse vraiment ici, à travers ce travail, c'est de vous préparer, continuer à vous préparer au brevet, même à distance. Donc ce sera un sujet de brevet, je vous laisse une semaine pour le faire, j'estime que c'est suffisant. Une semaine pour le faire, pour me l'envoyer, sachant que, n'oubliez pas, un sujet de brevet de SVT, initialement c'est en 30 minutes, donc 30 minutes plus l'envoyer d'ici la semaine prochaine, on est large. Ce sera noté et ça comptera dans la moyenne du troisième trimestre. Vous avez la possibilité de me poser des questions si vous avez des difficultés. J'accepte des questions pronotes directement, juste par moi directement. Alors, ce sujet de brevet initialement est sur 25. Hein, tous les sujets de brevet sont sur 25. 22,5 pour être très exact, puis 2,5 de présentation et orthographe. Donc je vais enlever la présentation et l'orthographe parce que j'estime qu'on est à distance avec l'ordinateur ou voilà, donc la présentation on triche un peu et l'orthographe on triche un peu. Mais le 22,5, le barème, vous allez le voir, hein, il est directement sur un sujet. Je ne l'ai pas inventé, c'est un sujet qui est tombé l'année dernière. Ne cherchez pas à les corriger, j'ai fouillé partout avant d'aller vous le donner. Il n'y en a pas. Hein? Cherchez si vous voulez, mais vous perdrez du temps. Et donc, le sujet de brevet, initialement sur 22,5, je vais le remettre sur 10 et ça comptera donc sur la moyenne. Le sujet de brevet, vous allez pouvoir le trouver sur mon Padlet, mais je vais aussi vous l'envoyer par mail, par Pronote. Donc, c'est un sujet, faites attention, hein, 2 pages. Et la 3e page, c'est considéré comme annexe avant d'être les copies. Donc, on est bien d'accord que vous n'allez pas me rendre l'annexe en question, donc vous écrirez un A, B, C, d'accord, et on se comprendra comme ça. Faites attention, les documents et les questions sont mélangés. Question 1, 4 points, question 2, 6 points, question 3, 6 points, question 4, 9 points, ce qui est énorme, hein. Et la question 1, elle est là-bas avec l'annexe. Donc soyez vigilants par rapport au barème qui est déjà annoncé, dites-vous bien que 9 points de ligne, ça ne suffira pas. D'accord? Donc là, la compétence, encore une fois, je vous l'ai déjà dit et redit, et là, ça se confirme, la compétence, c'est analyser, argumenter dans le cadre d'une démarche scientifique. D'accord? Donc c'est vraiment ça que je vais voir et que je vais évaluer, à travers aussi la communication à l'écrit. Les deux autres compétences, ce sont les compétences du cours, le notionnel, évidemment, sur ce chapitre. Donc, prenez bien le temps d'analyser le document. D'après le doc, machin, 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 on voit que bidule, bidule, j'en déduis que, j'en conclus que. N'oubliez pas les étapes, hein, de la démarche
prenez bien votre temps dans l'analyse de vos documents. Et les étapes de la démarche, je répète les étapes de la démarche scientifique. Il y a plus ou moins une problématique qui est posée, une hypothèse qui vous est du coup demandée, l'analyse des résultats, l'observation des résultats, l'analyse des résultats et ce que je dois en conclure, d'accord ? Problématique, hypothèse, expérience, résultat, conclusion. Et vous allez voir que le sujet, il est construit comme ça. Donc, mais on se l'est déjà dit, hein, tous les sujets de brevet sont comme ça. Alors, comment vous allez faire pour faire ce travail ? Ce sujet de brevet, vous l'avez avec vous. Soit vous le gardez en format numérique, soit vous l'imprimez. À vous de voir. Et vous avez la possibilité, je vais vous le donner, de prendre un fichier Word qui est déjà pré-commencé, où il va falloir que vous continuez et que vous écriviez, vous, votre réponse. Alors, soit vous le faites sur le sujet initialement, sur le fichier Word, vous complétez votre réponse et vous me l'envoyez, vous l'enregistrez, vous me l'envoyez par mail. Idéalement, enregistrez-le en format PDF, comme ça, moi, je vais pouvoir le lire, peu importe sur quel ordinateur, quelle version de Word vous avez ou que sais-je, d'accord ? Mais si jamais vous n'avez pas forcément la possibilité de pouvoir l'écrire, etc., n'hésitez pas à le faire. Faire ce sujet sur une feuille et vous m'envoyez une photo de votre document. D'accord ? Il n'y a pas de problème. Alors, jeunes gens, c'est un sujet de brevet. On est bien d'accord qu'un sujet de brevet, c'est en 30 minutes. Alors, je ne vais pas être derrière vous à mettre un chrono, etc. Mais je vous encourage fortement à le faire. D'accord ? Et n'hésitez pas à me mettre au crayon papier. Et puis, à 30 minutes, vous ne vous arrêtez pas. Si vous n'avez pas terminé, vous continuez. Mais n'hésitez pas à m'indiquer le temps que vous avez mis pour le faire. 33, 36, 42. D'accord ? Ça donne une indication à la fois pour vous et pour moi sur le temps que vous y avez passé. Mais je vous encourage fortement, vraiment, à mettre un chrono de 30 minutes. On essaye de se mettre dans des bonnes conditions. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes seul, sans bruit, dans la mesure du possible, avec un chrono de 30 minutes. Bon courage à tous !